Nabako bayokani motomoko nakonakat na kartel balingani na fonkoman bolikango kasabubu pelumumba na kalonji boliachombe kamitatu Oe sanja mbuta kanza Independence cha cha tozuwie Oki pwanza cha cha tubakidi O table ronde cha cha baganye o Oli panda cha cha tozuwie Cha cha baganye o Oli panda cha cha tozuwie Na MNC, na UGECO, a Banzi, na PDC, na PCA, na African Jazz, au table ronde, pe bagagne, indépendance, tcha tcha, tous ouïés, au qui pointa, tcha tcha, tout pas qui dit. Au table ronde, tcha tcha, bagagne o. Oli panda, tcha tcha, tozouye. Indépendance, tcha tcha, tozouye. Oki pwanza, tcha tcha, tou bakidi. Au table ronde, tcha tcha, bagagne o. Oli panda, tcha tcha, tozouye. Pour la chanson qui va nous être très utile, j'espère, lorsque nous allons nous retirer pour délibérer. Le tribunal a entendu tous les témoins, estime qu'il est éclairé pour le moment. Et elle va devoir passer à la phase de plaidoirie. Ainsi, le tribunal va inviter l'accusation pour présenter les griefs contre le prévenu ci-devant. Et après, le tribunal accordera la parole à la défense pour présenter ses moyens. L'accusation publique, vous avez la parole. Merci de la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable juge, vous avez entendu. Si les juges ne sont pas corrompus, l'accusation gagnera ce procès et Lumumba sera condamné. Voilà ce que clame sur les marches du palais le peuple, au nom de qui vous rendez la justice. Honorable juge, j'ai toujours pensé que la grandeur d'un procureur, un vrai, c'est d'oser assumer l'accusation même contre un individu dont la terre entière dit du bien. Au Congo et en Afrique, Lumumba est devenu une religion. La catéchèse politique le désigne comme étant le paradigme du patriote rectiligne qui versa son sang pour son pays. Et désormais, dans nos environnements, on ne peut évoquer le nom de Lumumba que pour en dire du bien, sous peine d'être lapidé par des esprits endoctrinés. Dès lors, on se demandera d'où nous vient le courage de porter l'accusation contre Saint Patrice. Ce personnage magnifique, comme paraît-il, on n'en a plus connu depuis, à travers la faune et la flore politique congolaise. N'allez pas chercher loin, Monsieur le Président. Notre courage d'assumer l'accusation dans ce procès, nous l'avons puisé dans le même puits où Lumumba avait été puisé son audace d'invectiver le roi. Nous y reviendrons, Monsieur le Président, mais pour l'instant, posons les bases de notre accusation.
Honorable juge, au terme de l'article 18 de notre Constitution, toute personne arrêtée doit immédiatement être informée des motifs de son arrestation. Dans ce procès, Lumumba est accusé de deux crimes graves. Le premier, c'est le crime d'amateurisme politique au sommet de l'État. Et le second, c'est le crime d'absence de stratégie dans son action politique. Je m'occuperai du premier crime, tandis que Madame le procureur Flora Angelani, cette femme vive d'une intelligence ardente, vous fournira de la matière pour le second. Monsieur le Président, quid de l'amateurisme politique? Est coupable d'amateurisme politique au sommet de l'État tout celui qui, au-delà de sa bonne volonté, au-delà de son courage, n'aura pas fait preuve d'intelligence tactique, de finesse, de délicatesse dans sa pratique politique? Voilà pour le principe. Les Lumumbistes vous diront que Lumumba a versé son sang pour sa patrie, qu'il était intègre, incorruptible et animé de bonne volonté. Certes, mais ce n'est pas tout cela qui est en cause. Comprenez-nous bien. Nous soutenons qu'au-delà de sa bonne foi, au-delà de son courage politique, au-delà de son intégrité et de 1000 autres qualités qui étaient les siennes, Lumumba n'a cependant pas fait preuve d'intelligence politique, de finesse, de délicatesse, de tact, qui sont pourtant de grandes qualités requises d'un homme d'État. Puisque nous l'avons affirmé, il nous faut maintenant le prouver. Honorable juge, pour emporter votre conviction, nous avons convoqué un expert scientifique et un témoin oculaire dont nous avons acté les dépositions sur procès verbal. Le premier, c'est M. Isidore Ndaïwel, président de la Société des historiens congolais et directeur général honoraire de la Bibliothèque nationale de la RDC. Donc, somme toute, une personnalité digne d'être consultée. Or, ayant scruté à la loupe et au scalpel le cas Lumumba, Ndaïwel conclut en ces termes. Lumumba avait été victime à la fois de son idéalisme, de son radicalisme et de sa formation politique insuffisante, limitée à quelques lectures personnelles et au souci d'imiter Krumah et ses coutourés. En effet, poursuit Ndaïwel, en 2 mois de gouvernement, Lumumba avait accumulé une série quasi exceptionnelle d'erreurs politiques, depuis le discours inutilement iconoclaste du 30 juin jusqu'à la fuite vers Stanleyville, en passant par la rupture maladroite d'avec le secrétaire général de l'ONU et les attaques du Sud Kasaï qui furent indirectement à l'origine du génocide Luba. Telles ont été les dépositions de M. Ndaïwel. Quant au témoin oculaire dont nous avons acté les dépositions, il s'agit de M. Thomas Kanza, ministre dans le gouvernement Lumumba, le premier laïc congolais à obtenir un diplôme universitaire en Belgique, un des proches de Lumumba qu'il a côtoyé jour après jour. Son témoignage est donc digne de foi. Or, Kanza dit ceci: à cause de son idéal, Lumumba refusait de reconnaître les rapports de force qui gouvernent le monde. Pourtant, en politique, entre la vérité et la réalité des rapports de force, c'est d'abord ce second critère qui prime, la réalité des rapports de force. Lumumba était un idéaliste, et comme tout idéaliste pur et sincère, il manquait souvent de réalisme. Trop souvent, il s'imaginait que vouloir une chose revenait à l'avoir déjà et que concevoir une idée originale revenait à la réaliser. Monsieur le Président,
Il résulte de ces considérations que Lumumba était avant tout un grand naïf. Or, la naïveté, c'est de l'amateurisme politique. Dans sa préface au livre « La pensée politique de Lumumba », Jean-Paul Sartre rappelle que Frantz Fanon reprochait souvent à Lumumba sa naïveté. On lui donnait, disait Fanon, les preuves qu'un de ses ministres le trahissait. Il allait le trouver, lui montrer les documents, les rapports et lui disait « Es-tu traître ?» Regarde-moi dans les yeux et réponds. Si l'autre niait en soutenant son regard, Lumumba concluait « C'est bien, je te crois. » Vous voyez, Lumumba faisait la politique avec de bons sentiments, vraiment comme un enfant dans les bras de sa mère. Alors que la maturité politique, c'est de se rappeler ce que disait Napoléon, « Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. » Monsieur le Président, l'amateurisme politique de Lumumba est encore patent si nous considérons les rapports qu'il entretenait avec sa propre parole. Trop parler peut tuer. Parfois, on avait toute l'impression que Lumumba parlait pour le seul plaisir d'écouter sa propre voix. Il n'avait pas tôt compris que lourde de conséquences, la parole du chef se doit d'être rare. Kanza rapporte que la tournée officielle de Lumumba aux États-Unis et au Canada après notre indépendance fut un échec cuisant, notamment à cause de ses commentaires maladroits. Kanza lui soufflait à l'oreille, en lingala, de ne pas répondre à certaines questions délicates posées par les milieux financiers, mais Lumumba rétorquait pourquoi pas. Ainsi, passant outre, il débitait des propos qui confirmaient sa réputation d'extrémiste. Vous voyez, pauvre amateur, il était là comme un livre ouvert. Alors que la maturité politique, c'est de se rappeler ce que disait Machiavel. Pour être efficace, il faut cacher ses intentions. Le discours de Lumumba à la cérémonie du 30 juin est beau. Il est poétique. Et il dit vrai dans une certaine mesure, mais politiquement, ce fut un suicide. D'abord, il ne figurait pas sur le programme officiel. Ensuite, Lumumba décida de se passer même des règles les plus élémentaires de la politesse diplomatique. Brûle pour point, le voilà, qui débute son discours par « Congolais et Congolaises ». Alors qu'un homme d'État posé, rompu aux articles protocolaires, Kassavubu se contentera de la formule classique. Sire, Excellence, mes chers compatriotes. Décidément, ce jour-là, Lumumba avait délibérément décidé de créer un incident sans mesurer les conséquences de sa témérité et en méconnaissance totale de la logique des rapports de force. Monsieur le Président, mon grand-père disait « L'accouchement se fait dans la douleur. » C'est ainsi. Mais une fois que l'enfant est né, on lui sourit. Hélas, au jour de la naissance de notre pays à la souveraineté internationale, ce pyromane a décidé de verser de l'huile sur le feu. Et la case a commencé à brûler depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Amateur. Monsieur le Président, un autre élément. Nous sommes d'accord que la politique doit tendre vers un idéal. Lumumba chérissait un idéal de liberté et de dignité pour son peuple. C'est tout à son honneur. Cependant, comme l'a si bien relevé Kanza, son drame aura été d'ignorer les rapports de force qui gouvernent le monde. Or, on ne le dira jamais assez, entre la vérité et la réalité des rapports de force, c'est d'abord ce second critère qui compte. S'attaquer à la Belgique, braver en public le roi Baudouin, mépriser perpétuellement Kassavubu, se brouiller avec le secrétaire général de l'ONU, titiller les intérêts financiers occidentaux, bousculer la hiérarchie de l'armée nationale congolaise, se foutre des Katangais et de leurs revendications de fédéralisme.
ça coquinait avec l'Union soviétique en pleine guerre froide. Bref, se mettre à dos la terre entière a été une radicalité suicidaire pour Lumumba. La logique des rapports de force n'est pas seulement une donnée entre l'Afrique et l'Occident. Elle est une réalité universelle qui fonde la politique. L'Australie a rompu, vous l'avez suivi, c'est l'actualité, un contrat de livraison de sous-marins pour 56 milliards d'euros, conclu avec la France, et a attribué ce marché aux États-Unis. Rapport de force. En 2012, on a vu Barack Obama pleurer, désarmé devant les lobbies pro-armes très puissants aux États-Unis. Rapport de force. Monsieur le Président, on a beau chanter les droits de l'homme, on a beau chanter le droit international, mais les nations puissantes envahiront toujours les nations faibles. Rapport de force. Alors, fallait-il que Lumumba se résignât? Non. Lumumba devait simplement comprendre que la bataille, la lutte, la guerre que nos pays mènent contre l'impérialisme est une succession de batailles et que son mandat à lui était de remporter une ou deux de ces batailles, quitte à la génération suivante de remporter une autre, ainsi du reste. Mais en voulant gagner toute la guerre, lui tout seul, Lumumba a aggravé le problème, monsieur le Président. Honorable juge, après cette magistrale démonstration, je vois la défense littéralement affaiblie. À ce qu'on voit, Lumumba s'est constitué une défense costaude. De brillants avocats d'ici et d'ailleurs plaideront sa cause avec panache. Mais au-delà de ces paroles, qui auront presque l'autorité de la chose bien dite, au-delà de ces phrases musicales taillées pour servir de citation dans les temps à venir, dans le fond, je vous jure, ce ne sera qu'un tissu de petits arguments, aussi fragiles que de menus brindilles. D'ailleurs, vous détecterez chez eux l'embarras de ceux qui s'échinent à défendre une cause en laquelle ils ne croient pas du tout. Ils auraient aimé se retrouver du côté de la vérité où nous sommes, pour avoir la liberté de dire tout le mal qu'ils pensent de leurs propres clients. Cependant, Monsieur le Président, à toutes fins utiles, hâtons-nous, par une réfutation convaincante, de balayer du revers de la main, d'étouffer dans l'œuf même, les sophismes qu'il s'apprête à vous développer. Honorable juge, la défense vous dira que c'est Lumumba qui conduisit notre peuple à l'indépendance. Non. Même le professeur Jean Omasombo Tshonda, le plus grand spécialiste du cas Lumumba, ne dit pas cela. Omasombo pense que l'indépendance du Congo a surpris tout le monde et n'a été ni l'effet d'un ordre de l'autorité belge, ni le résultat d'une révolution des populations congolaises. Ce fut simplement l'issue d'un chaos. La défense vous dira que Lumumba a tellement aimé sa patrie qu'il lui a donné sa vie, qu'il est mort pour elle. Elle vous fera revivre le calvaire qui le mena à sa passion et vous priera tous d'aller verser une larme au bord de sa relique rapatriée. Non, monsieur le Président, d'abord vous ne laisserez absolument jamais la défense installer son deuil au sein même de votre tribunal. Et à toutes fins utiles, vous lui rappellerez que la politique n'est pas d'abord l'art de mourir. Mais l'art de gouverner le plus longtemps possible. Mourir au pouvoir est un échec. La preuve des défaillances sécuritaires graves. Une autre preuve d'amateurisme au sommet de l'État. Lumumba a donné sa vie, oui. Théologiquement parlant, son sacrifice a peut-être du sens. Mais politiquement parlant, il n'est pas dans le sujet.
Machiavel disait, gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de nuire et même d'y penser. À ce propos, notre amateur aurait tout à apprendre de Mobutu. On n'avait pas seulement peur de nuire à Mobutu, mais déjà d'y penser. L'idée de nuire à Mobutu vous traverse l'esprit et dans votre propre tête, vous niez. Vous refusez d'admettre que vous venez de penser à ça. On vous dira, monsieur le président, aussi, je vois, que Lumumba avait grand courage d'affronter la mort. Oui, c'est ce qu'il disait, tant que sa mort n'était pas encore dans l'ordre des choses. Quand il a compris que la mort, sa propre mort à lui, planait au-dessus de sa résidence, il l'a quitté. Socrate, en prison, en attendant son exécution, ses disciples le supplient de fuir. Il refuse, il reste. Lumumba en résidence surveillée. Ses disciples le supplient de rester, il fuit. Écoutez ce que Thomas Kanza a écrit. Lumumba fut assassiné par sa propre faute et erreur. Nous avons supplié Lumumba de rester dans sa résidence jusqu'au 25, que Kennedy aurait pris les rênes du pouvoir de la Maison Blanche. Mais Lumumba, Dieu sait pourquoi, décida de quitter sa résidence et de faire le voyage de Stanley. Monsieur le Président, la Défense vous parlera aussi de grandes places, d'avenues, d'universités, de boulevards et de nombreux sites à travers le monde baptisés au nom de Lumumba. En Allemagne, en Russie, en Iran, en Namibie, en Martinique, à Bruxelles, en Italie. Non, n'allons pas vite en besogne. Nous ne pouvons pas tabler sur les hommages rendus à Lumumba avant d'avoir vidé la question liée à son bilan de gestion à la tête de l'État. Catastrophique. Or, en politique, toute célébrité non justifiée par un bilan positif est un enrichissement sans cause. Lumumba s'est enrichi sans cause. Quel est son bilan en 2 mois de gestion? Pasulundula, un autre Lumumbalâtre, vous répondra que Lumumba a créé l'École nationale d'administration, qu'il a créé le Syndicat national des travailleurs congolais, qu'il a créé l'Agence congolaise de presse. Et puis rien. Monsieur le Président, au-delà de la vie politique de l'accusé, l'accusation s'est abstenue d'ouvrir d'autres placards. Ça aurait été catastrophique. Nous n'avons pas parlé de 4 femmes de Lumumba, dont 2 portaient le même prénom, Pauline. Si bien que quand il écrivit sa si longue lettre à Pauline, cette lettre considérée comme son testament politique, on ne pouvait guère savoir à quelle Pauline la portait. Si c'est à Opanga ou à Kiyé. Nous n'avons pas parlé de son cursus scolaire, qui s'est arrêté en 4e primaire, faisant de Lumumba un semi-lettré. Or, en croire le professeur Witty Mulongo, un semi-lettré est plus dangereux qu'un illettré. Car alors que l'illettré est conscient de son ignorance, le semi-lettré est persuadé qu'il sait, et même très bien. Vous imaginez que ça devait être horripilant de vivre avec un Lumumba qui croyait tout savoir sur tout, et qui avançait avec la prétention d'être le seul du bon côté de l'histoire. Nous n'avons même pas parlé de ses antécédents judiciaires, de ses 12 mois de prison pour avoir détourné l'argent de son employeur. Lumumba a vécu dans le mensonge. Il nous a menti même à propos de son propre nom. Quand il est né, ses parents lui avaient donné le nom de Okita Sombo Taosa Isaïe. Jusqu'en 4e primaire, c'est à ce nom qu'il était inscrit. Et voilà que renvoyé de cette école, il se fera appeler Lumumba. Honorable juge, je dois conclure mon chapitre. Tout à l'heure, en gravissant les marches de votre palais, Madame le procureur Flora m'a rappelé qu'en 30 ans de notre carrière de magistrat,
pour les quelques fois qu'il nous arriva de perdre procès. Les enquêtes subséquentes avaient fini par révéler que les juges avaient été corrompus. Et ce faisant, elle appréhendait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais j'ai rassuré ma collègue. Je lui ai dit que cette chambre de juges intègre, présidée par l'immense Kouboya Wachipama Jean-Pierre, est un hôtel sur lequel la justice a toujours été adorée et contemplée dans toute sa splendeur. À ces causes, Monsieur le Président, il plaira à votre tribunal de condamner Okita Sombo Taosa Isaïe. Alias Patrice Lumumba, a demeuré un héros critiquable, afin que la jeunesse qui s'inspire de ses vertus n'aille pas, dans un mouvement d'idéalisation de sa personne, jusqu'à contracter ses travers et ses excès. Merci.